Copain comme cochon. 7 heures du matin. Debout la terre, clame le coq d'une voix fière. Petit porc se réveille, pousse un charmant grognement, retape un peu sa litière et sort de la porcherie pour voir si le soleil luit. Oui, matin d'avril au ciel tranquille. Bonjour, madame la fermière, et merci pour votre bouillie à l'avoine et au pissenlit. Pendant ce temps, Petit Jean, dans sa chambre au rez-de-tirée, grogne, râle, peste et bâille. Qui a osé me réveiller? Et il se carapate sous son gros oreiller. Petit Jean, Petit Jean, ton chocolat t'attend. Le chocolat, je n'en veux pas. Petit Jean, Petit Jean, le soleil brille, habille-toi et descends. Le soleil, je n'aime pas ça. Moi, je reste en pyjama. Après avoir englouti son repas, Petit Porc se lave le groin dans l'eau claire. « Bonjour, monsieur mon reflet, rose et frais. Vous faites plaisir à voir, vrai. » Une fois sa toilette faite, il se met en quête de quelqu'un à aider, car c'est là son occupation favorite, donner un petit coup de main à tous ceux qui en ont besoin. Il console d'abord l'oie qui se croit bête, mais bête, et qui pleure sur son sort. « Vous savez pondre des œufs, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr, ça je sais faire. » « Eh bien, pas moi !» s'exclame Petit Porc triomphant. « Vous voyez que vous n'êtes pas si bête que ça !» Et l'oie s'en va en se dandinant de joie. Pendant ce temps, Petit Jean fait des grimaces à la glace. « Mon reflet, que tu es laid !» Les cheveux en pagaille, la chemise à l'envers, la mine pas trop fière, il descend à la cuisine. Au chien qui vient le saluer, il ne dit même pas bonjour. « Petit Jean, quand tu auras terminé ton petit déjeuner, pourras-tu emmener les vaches au pré ?» Mais Petit Jean ne répond pas, tout occupé à fourrer ses doigts dans son nez. Salut Médor. Ouh, tu as l'air de mauvais poil. Il y a de quoi, Petit Porc, crois-moi. Que t'arrive-t-il? Dis, ça fait toujours du bien de se confier à un ami. Tu es gentil. Eh bien, c'est à cause de Petit Jean. Il ne t'a pas donné ton os du matin? Pire, il ne m'a pas caressé depuis 3 jours. Il m'ignore. Pauvre Médor, moi qui suis toujours à ses côtés à le protéger. Écoute, je vais aller lui parler. À quoi bon? Il a un caractère de cochon. Oups, pardon. Trop tard. Ce qui est dit, et Petit Porc l'a très mal pris. Qu'entends-tu par là? Excuse-moi, c'est une expression. Oui, eh bien, les expressions, hein. Est-ce que moi, je me suis permis de dire que tu étais d'une humeur de chien? Non, balbutie Médor. « Mais tu es une exception, Petit Porc. »« Et alors, est-ce une raison pour insulter tous les cochons ?»« Ton Petit Jean, il a un caractère de garçon tout simplement, et ce n'est pas un compliment. » Au même instant, on entend un grand remue-ménage venu de la cuisine. « Ah non, Petit Jean, tu es un vrai cochon !» Et voilà le garçon qui sort de la maison, les habits pleins de taches. C'est son chocolat pardi qu'il a renversé sur lui. « Un cochon, bougonne Petit Porc, on dirait plutôt une vache. » Médor éclate de rire, mais Petit Jean est en pleurs. « Quoi, ça ne te fait pas plaisir d'être traité de cochon ?» l'interroge le porcelet. « Si j'étais toi, moi, je serais très mal, alors très flatté. Tu n'as qu'à me regarder. » Tout en reniflant, Petit Jean dévisage Petit Porc. Soie lustrée, patte nette, oreille coquette et dressée, sourire en coin et l'œil malin, avec sa queue, tout tire-bouchonné. On croirait une image. Petit Jean en convient. Désormais, tous les matins, aussitôt que le coq a chanté son refrain, Petit Porc et Petit Jean font leur toilette ensemble en s'éclaboussant. Puis ils partagent avec Médor un petit déjeuner composé d'une bouillie d'avoine au chocolat. Petit Jean, veux-tu mener les vaches au pré? J'y vais, maman. Et les trois amis prennent en chantant les chemins des champs. Jamais plus Petit Jean ne se ferait traiter de cochon. Et il le regrette bien, car Petit Porc, son copain, est selon lui bien plus propre et bien plus gentil que beaucoup de petits garçons.